Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce bulletin astro du mois d'août 2020. Dans la toile du fond de notre mois d'août, nous avons toujours notre triple conjonction Saturne-Pluton-Jupiter, toutes les trois en Capricorne et en rétrogradation. Vous le savez maintenant, ce n'est pas nouveau, puisque cette triple conjonction nous accompagne maintenant depuis quelques mois. C'est une triple conjonction assez difficile puisque, pour un rappel rapide, Pluton détruit pour transformer, il s'attaque également à notre vie quotidienne puisqu'il est dans un signe de terre et il s'attaque évidemment aussi à l'économie. Saturne, maître du Capricorne, durcit les lois, les règles, impose des freins, des restrictions, etc. Et Jupiter, avec son gigantisme, augmente la puissance des deux autres, tout en rajoutant de son côté des questionnements moraux et des dépassements de droits. Alors c'est un très bref résumé, je vous l'accorde, mais je ne vais pas répéter encore les mêmes choses. Cette triple conjonction, elle nous accompagne depuis un bon moment et elle va nous accompagner encore pendant quelques mois. Dans son sens positif, elle permet à tous ceux qui veulent utiliser cette énergie de changer l'orientation de leur vie, de pouvoir tourner des pages ou encore de changer de lieu de vie, en tout cas dans l'ensemble, d'apporter des transformations radicales et définitives autour de soi. Et c'est la même chose, évidemment, hein, au niveau de la société. Tout change, tout se transforme, tout évolue. Il y a l'avant 2020 et il y aura l'après 2020. Dans notre toile de fond, nous avons aussi maintenant, depuis fin juin, et puis encore ça se met en route début août, le triple carré de Saturne, Pluton et Jupiter avec Mars. Mars qui est maintenant chez lui en Bélier. Je vous ai parlé de ces carrés dans le bulletin astro précédent. Ils sont importants eux aussi puisqu'ils vont nous accompagner pendant tout le reste de l'année maintenant. Mars en Bélier donc est chez lui, il est puissant et en carré il est en conflit avec les autres. Mais je vous invite à revoir la vidéo précédente si besoin. Dans tous les cas, ce carré annonce des changements et des transformations directes, précises, radicales dans nos modes de vie. Encore une fois, à un niveau personnel, ce peut être une excellente période pour tourner définitivement une page, pour peut-être affirmer davantage son caractère, ou encore d'imposer ce que l'on veut vraiment et ce que l'on ne veut plus. C'est la possibilité de se faire entendre. Le troisième carré, celui entre Mars et Saturne, il va se mettre vraiment en place là début août. En quelque sorte, il va essayer de maintenir l'énergie de Mars. Concrètement, ça signifie qu'il y a une dissonance entre l'ambition démesurée et le fait de se sentir impuissant. C'est ce carré qui fait monter la pression en augmentant la frustration. Dans son sens négatif, il peut donner aussi envie de baisser les bras, de s'avouer vaincu ou de se sentir vraiment dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose concrètement. Par contre, dans son sens positif, il permet de ne pas se lancer trop vite dans le feu de l'action, donc possiblement nous éviter d'éventuelles erreurs et de pouvoir prendre le temps alors de mettre en place des plans d'action, même si on est frustré quelque part à l'intérieur. Ce carré-là, lui, sera très actif du 5 août au 23 septembre, même si il est quand même actif jusqu'à la fin de l'année, même jusque fin janvier de l'année prochaine, et qu'il a lieu en même temps que les autres. Voilà donc pour la toile de fond qui maintenant va durer jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc ce n'est pas une toile de fond astrologique forcément très réjouissante, je vous l'accorde. J'aimerais vous annoncer des choses bien plus belles, avec beaucoup moins de tension, mais voilà, je suis là pour essayer de vous accompagner tout au long de ces mois, pour vous faire comprendre ces énergies qui nous entourent, afin que vous puissiez non seulement comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi voir justement à quel moment il vous est possible à vous de faire des choses pour vous-même. Donc c'est à nous de comprendre ces énergies, de les ressentir et de voir comment on peut les utiliser
au mieux parce que les énergies sont là, elles ne sont ni mauvaises ni bonnes, elles sont là, elles existent et on n'est pas obligé de les subir, on peut aussi les utiliser. C'est ce que j'essaie toujours de vous faire comprendre. Je ne vous dis pas ça de manière négative, je ne suis pas quelqu'un de négative. Moi-même, j'essaye d'utiliser à chaque fois ces énergies-là en fonction du travail que j'effectue. Donc on peut utiliser ces énergies pour soi et de manière positive. De manière positive, ça ne veut pas toujours dire non plus de manière plaisante. Hein, quand on doit tourner définitivement une page, par exemple, ce n'est peut-être pas facile à vivre, ce n'est peut-être pas plaisant, mais ça ne pourra être que positif. Voilà, j'espère que vous comprenez bien cela et que vous comprenez bien mes intentions. Donc, on va voir maintenant comment va s'affiner cette toile de fond au cours de ce mois d'août. Et nous allons commencer le mois avec un carré entre Uranus et le Soleil. Un carré du 25 juillet au 10 août. Un aspect qui donne envie de se démarquer avec beaucoup d'originalité. On n'a pas envie de faire comme tout le monde. Pour cela, eh bien, il se peut qu'on soit obligé de se confronter aux autres pour se faire admettre tel que l'on est, parce qu'on refuse des contraintes, on refuse de se discipliner. Là, je pense aux gens qui sont absolument contre le port du masque, par exemple. Et évidemment, eh bien, ça ne va pas sans créer des tensions, ça rend nerveux, ça peut rendre impulsif. Et en même temps, on se sent suffisamment téméraire pour tenir tête s'il le faut et autant de temps qu'il le faudra. Donc c'est un carré qui pourrait se résumer par « je ne céderai pas le premier ». Voilà. Et c'est un sentiment qui sera sans nul doute décuplé par l'association des autres configurations astrologiques. Nous avons notamment Vénus qui est en carré à Neptune jusqu'au 5 août. Vénus qui est toujours en Gémeaux, au début de ce mois, et avec toujours cette curiosité, cette envie de sortir, qui ne veut pas être retenue, qui pourrait vraiment mettre les réalités de côté, en occultant facilement tout ce qu'elle ne veut pas voir. Elle veut se focaliser que sur le bon côté des choses. Alors ça peut être bon, dans un certain sens, parce qu'elle pense faire toujours bien pour elle, et tout comme il doit être, sauf que elle est parfois vraiment en dehors de la réalité. Et le retour à la réalité, c'est-à-dire quand ce carré à Neptune se terminera aux alentours du 5 août, eh bien peut être très déstabilisant. Dans cette même période, jusqu'au 3 août, on a toujours Mars qui est en carré avec Mercure, ils sont en carré depuis début juillet, et c'est un carré qui donne un esprit combatif, avec lequel tout semble agaçant, la nervosité est forte, on peut être entreprenant, réagir au quart de tour, on est toujours prêt à entrer en action et on agit dans le sens de ses idées et de ses convictions, alors que celles-ci soient justes ou injustes, mais les actions sont en harmonie avec ce que l'on pense. Mais durant cette première semaine du mois d'août, une certaine vigilance est nécessaire quand même parce que Mercure, qui est en Cancer jusqu'au 4, développe énormément le côté imaginaire et on pourrait croire à tout et n'importe quoi. D'autant plus que jusqu'au 5, Mercure est aussi opposé à Jupiter et cela rend plus fréquent les erreurs d'appréciation ou de jugement et même de compréhension parfois. Donc de fin juillet au 4 août, on fait attention de ne pas se lancer dans n'importe quoi sur un coup de tête, ne pas parler à tort et à travers, réfléchissez avant de parler ou d'agir, même si vous êtes tenté à agir au quart de tour, en réactionnel. Après le 4 août, Mercure, là, il sera sous l'influence d'une autre énergie de feu, qui est celle du lion, puisqu'il sera entré en lion. C'est une énergie plus posée que celle imposée par Mars, et bien que Mercure en lion peut rendre davantage orgueilleux, il permet quand même d'avoir une intelligence plus claire, davantage d'inspiration,
une communication plus fluide, souvent d'ailleurs en apportant des concepts, mais en ayant aussi peut-être en même temps cette capacité à imposer, à donner des ordres qui seront indiscutables, dont on sait qu'on ne changera pas d'avis. Alors ici aussi, hein, faut bien faire l'association pour comprendre, parce que en même temps, toujours dans ces 10 premiers jours du mois d'août, Mercure est opposé à la fois à Saturne, à Pluton et à Jupiter. Donc on pourrait avoir tendance à la fois à focaliser sur quelque chose de précis, à surexposer un fait précis, à avoir une combinaison entre la tendance à provoquer et celle de se révolter facilement. Ce qui fait qu'on pourrait assister à encore plus de divisions au niveau de la population, je dirais, dans cette première semaine du mois d'août. Et vous allez voir que durant tous ces premiers 10 jours, quelque part, on va encore avoir plein d'informations, plein de données, plein d'événements qui vont s'enchaîner à en donner le tournis. Et comme si on voulait vraiment imposer une vision des choses, des règles, avec même obstination. C'est un Mercure en Lion qui est opposé à Saturne, Pluton, Jupiter dans le Capricorne, qui pourrait vraiment avoir réellement envie d'avoir toujours raison. Toujours dans ces 10 premiers jours, il y a un autre événement astrologique qui se produit, c'est la pleine lune en Verseau, qui aura lieu, elle, le 3 août. Alors je ne vais pas détailler cette pleine lune, mais dans un signe lié au mental, à l'intelligence, et en considérant la situation actuelle globale dans laquelle nous sommes, on pourrait résumer cette pleine lune par le fait qu'elle tend à mettre en avant toutes les idées réformatrices, notamment celles ayant attrait au social, mais aussi aux technologies. Elle peut bien entendu aussi développer la communauté, l'envie d'agir ensemble, d'ouvrir les consciences également, et elle pourrait participer, je dirais quelque part, à ce réveil brutal de Vénus qui va quitter son carré à Neptune, qui risque déjà de tomber de haut. Et avec l'ouverture des yeux, on va dire, de la pleine lune en Verseau, elle pourrait tomber peut-être même d'encore plus haut, en sortant des illusions, je dirais, de manière assez brutale. Et ce sera même peut-être fort pour certains d'entre vous, un peu comme vraiment une révélation. Pourquoi ? Parce que au moment où elle termine Vénus son carré avec Neptune, eh bien, le 8 août, elle enchaîne avec son entrée dans le signe du Cancer, un signe dans lequel tous les ressentis sont beaucoup plus forts, dans lequel l'émotionnel est mis en avant. Alors Vénus est déjà une planète émotionnelle, dans un signe de l'émotionnel, qui est le signe de la Lune au moment de la pleine Lune et qui contient également les notions de bien et de mal. Alors, si on avait tendance à vouloir voir que le bon côté des choses, à s'être persuadé que d'une polarité d'une chose, ou d'une situation, ou d'une personne, hein, et bien d'un seul coup, on va prendre conscience, si vous voulez, de l'autre polarité, un peu en pleine figure, comme ça. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Alors, encore une fois, hein, c'est pas forcément négatif, même si ça peut faire mal sur le coup. Il vaut mieux parfois se rendre compte de certaines choses sur le tard que jamais. Voilà donc en gros pour cette première semaine, les 10 premiers jours, on va dire, du mois d'août. Donc dans l'ensemble, vous voyez, soyez quand même vigilants, on est encore sur les énergies de fin juillet qui continuent. Ne prenez pas de risques inutiles, la nervosité est palpable, on est poussé par l'envie de convaincre, agir. On peut également en parallèle nous imposer encore de nouvelles choses, de nouvelles règles et limitations. D'ailleurs, au moment où je fais cet audio, je viens d'entendre qu'on réimposait les masques dans les lieux publics fermés, et puis j'ai cru entendre dire que dans certains pays, et que peut-être même en France, on va aussi nous imposer le masque en plein air, dans les réunions de population. Donc tout ça, c'est vraiment dans la logique et dans l'énergie des astres. Alors on peut aussi, pendant ces 10 premiers jours, manipuler ou être manipulé. Je pense qu'on va essayer de nous focaliser sur un fait particulier. Donc ce fait, ben, ça peut être le port du masque, hein.
En tout cas, c'est quelque chose qui semble donner raison et qui en même temps cache autre chose. Vous voyez, c'est mettre l'accent sur quelque chose pour en fait cacher autre chose. Donc voilà, je sais pas. Donc si ça cache quelque chose, en tout cas, ça peut également exposer évidemment à des révélations supplémentaires. Alors au moment où je fais cet audio, hein, dans ces énergies-là, je vous invite à réécouter le bulletin du mois de juillet parce que ici le carré Soleil-Uranus n'a pas encore démarré. Le carré Mars-Pluton et l'opposition Mercure-Pluton-Jupiter-Saturne n'a pas encore démarré non plus. Donc tout ça c'est en train de se mettre en place au moment où je fais l'audio. Et la période du 20 au 30 juillet est une période vraiment très sensible et charnière. Nous aurons, et je n'en avais pas parlé le mois dernier non plus parce que ce sera plus présent au mois d'août, Mars à la Lune, mais avec un Mars qui est conjoint à la Lune noire, à Lilith. Donc je vais vous en dire deux mots rapidement. La conjonction Mars-Lilith, elle va être exacte entre les 8 et 9 août à 21 degrés du Bélier, mais elle sera effective entre le 26 juillet et elle aura lieu donc jusqu'à la mi-octobre. Alors la dernière conjonction Mars-Lilith en Bélier, elle a eu lieu en 2011. Donc ce qui est important, c'est que au moment de la conjonction exacte Mars-Lilith, eh bien elles seront toutes deux également en conjonction avec la Lune. Donc on va avoir une triple conjonction. Alors c'est important cette période-là parce que c'est sur une tendance à se décharger de ses responsabilités, à accuser l'autre ou les autres de tous les maux que l'on peut avoir ou des échecs que l'on subit, que cela va agir. La négligence et l'incompétence seront mis aussi au cœur des sujets. Alors, c'est un peu difficile ce que je vais vous expliquer là, mais rappelez-vous, avec Lilith en Bélier, on est au moment où on sort d'un tunnel et que l'on est ébloui par la lumière. Et Lilith, elle a tout le temps de sa traversée en Bélier pour ouvrir les yeux, adapter ses yeux à la nouvelle lumière pour pouvoir ensuite avancer. Donc là, on est un peu dans la période où on commence à s'adapter nos yeux à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va se passer, c'est que à cette période-là, avec le carré entre Mars et Jupiter, on peut imaginer qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année et avec force. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur tout ce que l'on a pensé être de la négligence ou de l'incompétence, en fait, par rapport, certainement, je pense, au virus. Et en même temps, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps que c'était d'ici à la fin de l'année, un peu comme une période où, quelque part, on doit rendre des comptes. Mais ce n'est pas seulement les autres qui sont capables et coupables de tout. C'est une période avec cette conjonction Lune, Mars et Lilith en carré à Jupiter. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être capable de reconnaître que soi-même, on a pu être dans l'erreur, on a pu se laisser manipuler, souvent par peur de l'inconnu, puisque aveuglé par la lumière en sortant du tunnel, et donc en gros en ne voyant pas ce qui nous attaquait, par exemple le virus, eh bien on était bien obligé de faire confiance à ce qu'on nous disait. Vous voyez, il faut être capable de reconnaître qu'on a très bien pu se faire manipuler, par exemple, dans ce sens-là. Alors, je ne veux pas avoir tout le monde à dos, hein. Je sais que certains pensent qu'il n'y a pas vraiment eu d'épidémie ou que... Enfin, voilà. Moi, je vous dis ce qui est dans les énergies. Donc, il faut être capable de reconnaître qu'on a pu se faire manipuler par obligation, par peur, parfois par paresse de se prendre en charge soi-même. Donc on a laissé décider pour soi ce qui était bon ou pas pour soi, tout simplement, ou pour l'ensemble du monde. Quelque part, on s'est laissé faire parce qu'on n'y voyait rien, soit parce qu'on ne comprenait pas, ou soit parce que, eh bien, un virus, par exemple, c'est quelque chose d'invisible à l'œil nu. Donc tout ça, si vous voulez, pour en revenir finalement à ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec cette triple conjonction Lune blanche, Mars, Lune noire en carré à Jupiter, eh bien, ça va revenir sur le tapis. Et puis après, bah, tout le reste, hein, tout ce qui en a découlé,
Hein, y a un traitement, il n'y a plus de traitement, il y a un traitement, mais on ne veut pas le donner, il y a des masques, mais il n'y a pas de masques, les masques sont inutiles, les masques sont utiles. Bref, tout ça, ça va revenir sur le tapis. Donc, je vous rappelle, je vous répète, il ne s'agit pas que de dénoncer ou accuser, il faut aussi savoir reconnaître notre ignorance et nos actions ou non-actions. Alors cette conjonction Lilith et Mars, elle va être assez longue quand même, puisque Mars va entrer en rétrogradation après là, le 10 septembre. Il y aura donc une deuxième conjonction exacte Mars-Lilith le 23 septembre, d'accord, avec Mars en rétrogradation. Et puis quand Mars reprendra sa marche directe, eh bien il y aura une troisième conjonction et qui se produira celle-là, je dirais, avec beaucoup plus de force. Donc notez ce rendez-vous si vous le souhaitez, mais je vous en reparlerai de toute façon. Ce sera au mois de janvier 2021. À ce moment-là, Mars et Lilith formeront leur dernière conjonction et ce sera en Taureau, en conjonction avec Uranus. Bien, j'espère que vous avez compris quelque chose. Je vous propose de revenir à notre exploration du mois d'août si vous le voulez bien. Mercure forme un carré avec Uranus, un carré qui va durer à peu près du 7 au 14 août, donc environ une semaine. Un carré qui a tendance à rendre direct et impulsif, avec une critique facile et surprenante, parfois même tranchante. Et ça peut aussi donner au niveau du mental le fait d'être vif d'esprit, d'avoir une compréhension rapide des choses et qu'à ce moment-là, eh bien, on ne supporte pas les gens qui comprennent rien ou qui veulent rien comprendre ou qui sont trop lents à comprendre les choses. Donc ça peut former encore une cassure dans ce que j'appelle la division de la population là. Le fait de ne pas supporter que certaines personnes ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Hein, bien entendu, après tout, chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut. Malgré tout, Mercure est encore en opposition à Saturne, hein, le 7 et le 8, donc au tout début du carré avec Uranus. Et ça pourrait donner vraiment cette envie de vouloir persuader. Mais cette persuasion, elle peut être dans plusieurs sens. Ça peut être quelqu'un qui veut persuader quelqu'un d'autre, par exemple que les masques sont inutiles, alors que d'un autre côté, ça peut être le gouvernement qui persuade la population que le masque est absolument utile. Vous voyez ce que je veux dire ? N'oubliez pas, c'est un Mercure en Lion qui sait ce qu'il veut et qui veut imposer ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il exige. Alors on a Uranus qui trigone Jupiter hein, du 12 août à début octobre. Alors ça c'est un trigone important pour nous parce qu'il va nous accompagner pendant presque 2 mois maintenant. Donc c'est un trigone, j'ai envie de dire, qui conduit au renouvellement. C'est une position planétaire qui peut tout à fait être à l'origine de changements notables dans la société. Uranus en Taureau déploie les technologies et appuyé par Jupiter, eh bien, on peut encore ici voir se déployer à vitesse grand V le déploiement donc de la 5G. Je vous en parle depuis un moment, hein, mais en fait ça s'accélère. Avec le vent d'Uranus amplifié par Jupiter, on peut aussi penser à, je sais pas, des vents violents ou des tornades qui pourraient se multiplier ou des effets climatiques qui prennent une ampleur plus qu'ils ne le devraient. Et puis enfin, ce trigone aussi peut développer et accentuer les idées révolutionnaires. Alors que ce soit pour faire la révolution, hein, ou simplement pour avoir de fortes idées novatrices. Hein, à un niveau personnel, et bien c'est toute une période au cours de laquelle on peut avoir des éclairs de génie quant à ce qu'on veut faire à l'avenir. C'est donc avec ce trigone ajouté à notre toile de fond que la suite s'enchaîne. Et ça s'enchaîne avec le Vénus sextile à Uranus du 13 au 25 août qui développe encore le goût de l'indépendance et l'envie de liberté. Un sextile qui peut augmenter aussi la passion et permet de s'ouvrir alors à des tas de sujets nouveaux.
ou d'entamer de nouvelles relations, mais sans vouloir s'attacher, sans se sentir prisonnier. En gros, c'est un sextile, même dans une généralité, on va dire, qui pourrait se traduire par « on se laisse leurrer une fois, mais pas deux ». Alors notre Mercure, qui est déjà très influenceur, eh bien, va former un trigone à Mars, lui, du 13 au 21 août, 7 jours au cours desquels, alors là, on va vraiment mettre l'appui sur ce qu'on veut convaincre, convaincre et influencer. Puis Vénus est opposée à Jupiter, exacerbant les désirs et les sentiments. Et même si quelque part, je dirais, on arrive à se contenir pour ne pas dépasser certaines limites, tout est quand même vécu et ressenti à 1000%. Donc c'est une position qui peut donner fortement envie de se rebeller, surtout si la liberté est atteinte. Et ce sera exagéré, je pense, par le trigone justement entre Uranus et Jupiter. Donc voilà pour les 10 jours suivants. Donc tout ça, c'est à partir, on va dire, du 10 août au 20 août, mais avec des configurations qui vont aller jusqu'au 25 août, voire même début septembre. Alors qu'est-ce qu'on a vers la fin du mois? Vers la fin du mois, on a déjà la nouvelle lune en Lion, le 19 août. Alors une nouvelle lune qui sera directement en trigone à Mars. Donc une nouvelle lune dans un signe de feu, en bonne entente avec Mars, planète de feu, en bélier, dans un signe de feu. Donc cette nouvelle lune, elle est exacte en Lion à 26 degrés vers 4 heures du matin, heure de Paris. Mais il est vrai que 6 heures plus tard, la conjonction Lune-Soleil n'est qu'à 3 degrés d'écart et que la Lune sera en Vierge, alors que le Soleil, lui, sera encore en Lion. Donc, même si on considère que c'est une nouvelle Lune en Lion, je trouve que ça pourrait être intéressant de prendre en compte les deux énergies. Alors, rappelons que nous sortons de deux nouvelles Lunes consécutives dans le signe du Cancer, avec de l'émotionnel à fleur de peau et surtout une perméabilité aux énergies environnantes beaucoup plus forte. D'ailleurs, au moment où je réalise cet audio, c'est justement ce qu'on remarquait avec une amie avec laquelle je discutais, qu'en fait, depuis quelques jours, les rêves sont intenses, les nuits agitées. Et dans la journée, eh bien, nous ressentons en fait des vagues énergétiques. Alors, chez moi, ça se traduit par des pertes d'équilibre ou un sifflement soudain dans l'oreille ou encore des maux de tête, mais qui apparaissent par vagues. Alors, je n'avais pas pensé à cet effet nouvelle lune, hein, je vous y avoue, j'y pense là parce que je vous en parle. Et justement, donc, cette amie ressent exactement les mêmes choses. Donc bref, peut-être que vous aussi, hein, vous ressentez certaines choses. Donc si c'est le cas, eh bien, voilà, en fait, actuellement, le cycle de lune de fin juillet à fin août, eh bien, il nous rend perméables aux énergies environnantes. Donc ne vous inquiétez pas. Bref, je m'égare. Revenons-en parce que nous en étions en fait à la nouvelle lune du 19 août, donc pas celle de juillet. Donc une nouvelle lune en Lion qui n'est pas sans nous rappeler que nous sommes acteurs de notre vie. Elle va remonter la confiance que nous avons pour nous-mêmes, l'estime que nous avons pour nous-mêmes, nous rappeler que nous sommes des êtres humains peut-être, avec un libre arbitre, un libre choix. Et c'est un cycle de nouvelle lune qui va aussi remonter nos énergies de base. Donc c'est une très bonne nouvelle lune qui développe la créativité, qui nous rappelle que chacun de nous a ses propres capacités et aussi que chacun de nous est responsable de ce qu'il fait. Alors c'est un cycle de nouvelle lune qui dans l'ensemble invite à rayonner, à nous reconnecter aux énergies du cœur, à la foi et qui va augmenter aussi les ambitions personnelles de chacun. Dans la mesure où dans les 10 jours précédents, on peut avoir eu de très belles idées, des éclairs de génie, peut-être même pour certains, eh bien cette période de nouvelle lune, elle pourra donner confiance, courage et ambition pour pouvoir quelque part se mettre en route par la suite.
Alors, comme je vous le disais, le même jour, la Lune et le Soleil sont à la fois conjoints en Lion et puis en même temps en Vierge. Donc, j'ai envie, moi, de considérer les énergies de la Vierge en même temps. Alors, en Vierge, on a des énergies d'organisation, d'élaboration de plans, mais aussi de nettoyage. Donc, on peut à la fois avoir ces envies, cette rayonnance du Lion et en même temps avoir la capacité de mettre les choses en œuvre, de nettoyer, se séparer ou lâcher prise sur tout ce qui ne nous servira pas dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau projet que l'on souhaite créer. Donc tout ça, ça peut être vraiment très très bon. Et puis l'énergie de la Vierge, attention quand même, attention, faut prendre le bon côté justement pour s'y préparer, c'est qu'elle peut aussi toucher à la santé par rapport à tout ce qui est question d'hygiène. Alors, dans son sens négatif, par exemple avec l'histoire des masques, hein, je parle de ça aujourd'hui parce que c'est ce qui a le plus d'actualité, eh bien, il est possible qu'apparaisse ou se développe ou se manifeste, ou en tout cas, on commence à en parler à la télé, même si je vois qu'on commence à en parler dans les réseaux, que des maladies en fait se développent par rapport à des microbes ou des champignons issus des masques. Ou alors, ça peut être le fait que l'on vous conseille, si par exemple les masques sont toujours obligatoires d'ici là, et bien de les changer très souvent. Donc, avec le cycle de nouvelle lune, à la fois en Lion et en Vierge, attention à la propagation de champignons, surtout champignons, microbes, pas forcément virus comme un virus, une maladie, mais plutôt microbes et champignons. Alors, ça peut être également des problèmes de peau, hein, tout simplement. En même temps, cette lune dans l'énergie de la Vierge, on va dire, elle peut donner envie de reprendre les rênes, je dirais, de sa propre santé. D'ailleurs, il faudra, enfin, c'est un conseil, hein, porter une attention particulière à l'hygiène corporelle, à l'hygiène alimentaire, au fait de se tourner peut-être vers des soins plus naturels. En tout cas, de prendre conscience que on doit prendre soin de notre corps physique, que chacun de nous est responsable de son véhicule terrestre. Bon, je ne vais pas m'étaler davantage sur cette nouvelle lune, je pense que vous avez compris. Ensuite, on a du 20 août au 4 septembre un trigone entre Vénus et Neptune. Un trigone qui peut donner la sensation d'être dans un rêve permanent, en bien ou en mal, puisque en même temps, elle va être opposée à Pluton. Une opposition qui fait que on peut avoir du mal à accepter la réalité, que ce que l'on voit ou ce que l'on vit pourrait paraître pas possible. Pas réel, où on peut avoir tendance à penser que ben, ça va s'arranger et qu'il faut être patient. Je dirais, on s'accroche à vouloir croire ce qui est impossible, ou à ce qu'on peut voir, ou à ce qu'on peut nous faire croire, enfin, je sais pas trop comment le dire. Il y a un conflit entre la réalité qu'on nous montre ou qu'on ne veut pas admettre, l'illusion. Sauf que l'illusion, c'est peut-être la réalité imposée. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. C'est trouble comme période, en tout cas, avec Vénus trigone à Neptune et en même temps opposée à Pluton, qui va en plus enchaîner à une opposition à Saturne. Donc, on va avoir une accumulation d'une période vraiment extrêmement bizarre, qui instinctivement va augmenter en nous la méfiance et la suspicion. Alors, je vous dirais presque du 20 août au 4 septembre, là, faites confiance à votre instinct. Je pense que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là. Donc après, on a Uranus qui va former un trigone avec le Soleil. Donc en plus de son trigone à Jupiter, eh bien, on a un trigone avec le Soleil, qui va donc augmenter les capacités à s'affirmer, qui va augmenter la nouveauté, qui va augmenter l'expansion des technologies
et qui va accélérer, je pense, les changements dans la société. Alors ça peut donner quoi ? On sera du 25 août là à peu près jusqu'au 11 septembre pour ce double trigone. Eh bien ça peut être tout simplement de nouvelles résolutions pour la rentrée qui seront imposées ou mises en place. Donc attention, parce que ces changements dans la société, quand je dis dans la société, c'est en général dans nos modes de vie, dans notre manière de fonctionner. Et ces changements, eh bien, figurez-vous qu'ils pourraient être amenés par de beaux discours et même de la ruse. Pourquoi ? Parce qu'à cette même période, Mercure forme un trigone avec Jupiter du 25 août au 3 septembre et il forme aussi une opposition à Neptune entre le 26 août et le 5 septembre. Alors entre Vénus, Jupiter, Uranus et Mercure ici, personnellement j'ai l'impression que on va essayer de nous vendre quelque chose. Alors ça peut être au niveau mondial, au niveau national, comme ça peut être un démarcheur qui passe chez vous et qui sera très très convaincant pour essayer de vous vendre quelque chose. Alors en plus de son trigone à Neptune, Vénus va enchaîner un sextile à Mercure. Et ça va durer à peu près un mois, du 27 août au 21 septembre. Donc vous voyez, 25, 27 août, on est toujours dans la même période. Et c'est un trigone qui développe vraiment le côté convaincant. Hein, c'est la séduction de Vénus dans le mental de Mercure. C'est la séduction des mots. En plus, Vénus, à ce moment-là, elle sera en Cancer et Mercure dans la Vierge. Donc, une communication précise avec des mots choisis, des mots organisés qui sauront toucher les émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, par extension plus large, on peut penser à quelque chose, encore une fois, qui touche les enfants, la maison, le travail, donc notre vie quotidienne, hein, comme je le disais. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on est dans l'organisation, le côté pratique. La Vierge, c'est quand même aussi le fait de s'occuper de ses proches, le travail aussi. Le Cancer, c'est les émotions, c'est les enfants, la famille aussi. Et puis la fin du mois, eh bien, elle se termine finalement par un trigone de Mercure avec Pluton et Saturne. Un double trigone qui va durer aussi jusqu'à la fin de la première semaine de septembre, qui vient rajouter une louche sur le côté réfléchi, calculateur, les plans d'action. Rien n'est laissé au hasard à cette période-là. Je dirais même que tout a été prévu en amont. Mais je ne voudrais pas paraître complotiste. Donc on peut voir ça aussi autrement en se disant que finalement, pour soi, on peut utiliser cette période-là pour convaincre plus facilement, pour séduire par le langage, de manière à imposer ou faire comprendre peut-être certaines idées. Alors s'il y a une période au début du mois ou dans le mois où on a envie de lâcher un peu les bras, eh bien la confiance va remonter tout au long du mois. On va se sentir de plus en plus capable d'agir, de convaincre, d'avoir des idées claires, de communiquer beaucoup plus facilement. Donc tout ça peut être utilisé à bon escient et chacun pour soi. Et n'oubliez pas que c'est toujours une bonne période pour tourner une page, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc profitez de ces énergies du mois d'août qui peuvent être difficiles à vivre, mais qui peuvent être très positives pour la suite, mais aussi qui peuvent être très encourageantes. Donc tout dépend comment vous allez comprendre ces énergies et comment vous allez les gérer. Voilà, donc pour résumer rapidement, je vous ai fait donc ce tableau. Dans la toile de fond du mois, donc je vous ai mis des mots-clés à chaque fois. Hein. Donc les mots-clés, c'est la destruction, les changements, les transformations, les lois, les règles, l'impatience, la rébellion, le contrôle, le pouvoir, les répressions, les violences. Donc ça, c'est désolé, hein, mais c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Même un peu plus.
Dans la première semaine, les 10 premiers jours du mois d'août, on a des refus de discipline, on veut en faire qu'à sa tête, on est sur les nerfs, on a l'impression qu'on divise la population et en même temps qu'on nous focalise sur quelque chose. Donc à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'est comme si on nous focalisait absolument que sur les masques, par exemple. Ensuite, dans les 10 jours du milieu du mois, eh bien, on peut tomber de haut, on peut être confronté à des réalités. On a une énergie qui se met en place vers le changement dans la société, vers un renouveau, une accélération des technologies, des nouvelles technologies qui se mettent en place. On est toujours dans l'envie d'indépendance et de liberté. On veut convaincre, on a des idées fortes, on peut être direct et impulsif. On a du mal à se contenir, à contenir les émotions. Hein. Et puis dans les derniers jours du mois, on nous balade. Enfin moi c'est ma conclusion, j'ai l'impression qu'on nous balade pour la rentrée. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux à nouveau. Auront l'impression de voir une réalité, ceux qui se croient dans la réalité pour avoir la sensation d'une illusion. Enfin, c'est une période, je ne sais pas ce qui se passera à ce moment-là, mais c'est une période très étrange, avec en plus de très beaux discours, une manipulation verbale qui sera vraiment prédominante. Voilà, donc eh bien, essayez-vous d'utiliser toutes ces énergies-là au mieux pour vous-même, occupez-vous de vous. En priorité, c'est en voyant vos actions que les autres peuvent peut-être ouvrir leurs yeux. Parfois, il vaut mieux essayer de convaincre par l'action que par les paroles, hein, même si ici on a encore tendance à beaucoup essayer de convaincre par la parole. Voilà, et bien, je vous souhaite un très beau mois d'août quand même. Tout n'est pas si mauvais, hein, faut pas le prendre comme ça. Et puis, je souhaite de belles vacances à ceux qui sont en vacances. Rechargez-vous, faites le plein d'énergie. Faites attention sur les routes. On est dans une configuration astrologique cette année qui peut produire de nombreux accidents par de l'inattention, par de l'envie de vitesse, par de la révolte intérieure. Enfin, on a plus de risques, je dirais, d'avoir un accident en ce moment qu'on en a d'habitude, quoi. Soyez prudents. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre bulletin astro ou peut-être d'autres études sur mes recherches astrologiques. Dans tous les cas, même si je ne les fais pas toujours en vidéo, vous les trouvez sur mon blog. Donc, je vous invite à venir le visiter. Voilà. Allez, j'arrête de papoter et je retourne à mes études de 2021. Allez, à bientôt. Bye.